À présent, j'ai 40 ans et mes enfants ont 8, 6, 4 et respectivement 1 an. Dans combien d'années mon âge va être égal à la somme des âges de mes enfants? Jolie question. La somme des âges de mes enfants maintenant, c'est de 8 plus 6 plus 4 plus 1. Ça, c'est maintenant. 6 plus 4, 10, 18, 19. Moi, j'ai 40 ans. 40 moins 19 égale 21 ans. De plus, j'ai 20 ans de plus, 21 ans de plus que mes enfants. Chaque année qui passe, qu'est-ce qui se passe? Je gagne un an chaque année et mes enfants chacun vieillit d'un an, ce qui ne fait que au total chaque année, la somme des âges de mes enfants augmente de 4. Chaque année, la somme des âges de mes enfants augmente de 4. 4 ans. Un an pour chaque enfant. 4 enfants, 4 ans. La somme des âges. Donc ça veut dire que chaque année, comme j'augmente d'un an et la somme, mes enfants augmentent de 4, l'écart se réduit de 3 ans entre la somme des âges de mes enfants et moi. Comme maintenant j'ai 21 ans de plus, chaque année l'écart se réduit de 3 ans. Chaque année 3 ans, 3 ans, 3 ans. Alors, 21 divisé par 3 égale 7. Au bout de 7 ans, il n'y aura plus d'écart. 7 fois 3, 21. Voilà, 7 ans. Dans 7 ans, les enfants l'emporteront sur le père, de point de vue âge, bien sûr. Vérification, 40 plus 7, je vais 47. Les enfants, 8 plus 7, 15. 6 plus 7, 13. 4 plus 7, 11. 1 plus 7, 8. 15 plus 13, 28. 39, 47. Dans 7 ans. 7 ans à la maison, comme on dit en roumain, chez Chaptean de Casa. Dans 7 ans, j'aurai 2 enfants et 2 ados. Il faut que je m'y prépare. Et sérieusement,